Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à toute l'équipe. Salut Hugo. Benjamin. Bonsoir. Salut Ben. Salut Gwen. Alors, salut. Notre invité ce soir pourrait être considéré comme un compagnon de route de l'émission, puisqu'il a été parmi les premiers à bien vouloir venir répondre à nos questions il y a déjà 18 ans. Et nos routes sont souvent croisées en soirée, en concert essentiellement. Et après près de 18 ans, il était temps quand même de se revoir et de revisiter le chemin qui a été parcouru. Donc il va être question évidemment de musique électronique, industrielle, tribale, expérimentale, ambiante, mais aussi de mythologie, d'horreur cosmique et de technologie. Et ce soir, nous ne ferons pas que parler, nous écouterons une performance en direct qui a été longuement attendue. Entre ici, Gwen Trémorin. Bonsoir. Salut. Salut. Ravi de vous retrouver. 18 ans, j'avais pas vu le temps passer, mais c'est incroyable. Ouais, ouais, il a fallu que je retourne dans les tréfonds de nos archives pour voir que tu as été invité trois fois en un an, entre 2002 et 2003, à chaque fois avec un. Oui, mais il y avait une raison. C'était les périodes Brume Records. C'était le lancement du label, les sorties de disques. Donc, voilà. Je crois qu'à chaque sortie d'album, on venait présenter le. L'artiste et l'album en question. Donc, voilà, Laurent Perrier, tout ça. Avec Gilles Hoyten. Tout à l'heure, il y a eu Gilles Hoyten, Laurent Perrier, Zonkt. Et Julien. Et Julien. C'est le gast qui, encore à l'époque, n'arrivait pas à sortir quelque chose. Tellement il était perfectionniste. Depuis, je sens qu'il s'est quand même pas mal rattrapé. C'est sûr. Alors, on a commencé par la première sélection des titres que tu as composé. Julien, on vient d'écouter, comme tu viens de le mentionner. Voilà. Donc, tu as officié sous le nom de Flint Glass, son premier projet électronique, puisque tu as eu un groupe de punk avant. Peut-être pas forcément opportun de parler. Là, c'est les débuts, c'est la jeunesse. On crève de faim, tout ça. Ouais. Voilà. donc, on a commencé Flint Glass avec Eternal Loneliness, un titre sorti sur un album en collaboration avec Boris Volt, avec un nom russe, je ne me rappelle plus. C'est Okino. L'album s'appelait Inconséquente et Dilettante. Et nous avons choisi Eternal Loneliness. Qui était d'ailleurs, j'avais pas trop compris au début avant de me rappeler que tu m'en avais parlé à l'époque, sortir avec Modigliani. Tout à fait. Modigliani, on parlait de premier groupe d'adolescence et Boris Volt faisait partie de ce groupe qui était le guitariste. Ah d'accord, vous êtes des compagnons. De Troopers Gal qui était notre groupe de punk à l'époque. Ensuite, encore un Blast to the Past avec Zolkin, donc un projet que tu as mené avec Nicolas Van Merag pendant une petite dizaine d'années et quatre albums. Donc on a écouté un titre de Tonatiuh sorti sur Anzen en 2010 qui s'appelle Mictlantecuhtli. Les Mayas qui nous écoutent, m'excusez-moi. Le nom d'un dieu Maya. Oui. On essaiera peut-être voir ce qui vous avait motivé, parce que c'était vraiment très orienté sur les mythologies précolombiennes. Tout à fait, sur le calendrier. Et on a fini par une première collaboration. Il y en aura plusieurs, donc on y reviendra, avec Collapsar. Collapsar, alias. Strasbourgeois. Oui, alias Thibaut Tonnet, qui avait sorti un disque très bon de Dark Ambient à la Lustmord chez Malignant, je crois. Exactement. Et donc, vous avez fait un disque qui s'appelait Deus Irae. Oui, tout à fait, tiré d'une nouvelle de Philippe Kadic. The Servants of Wrath, partie 1, partie 2. Et vous aviez confié à Julien Silvegas Maestrom le soin de remixer une partie, que nous avons écouté. Oui. Fait. On salue d'ailleurs Thibaut qui nous écoute peut-être ce soir, avec un peu de chance. Oui. Et bon, c'est vu récemment avec Thibaut, on a parlé de remettre le couvert, comme on dit, de peut-être refaire une collaboration, parce qu'on a, on a vraiment bien. Fonctionné ensemble. On a joué il y a deux ans au festival Audio Trauma à Prague, en live. On était contents de se retrouver et on s'est éclatés en live tous les deux. C'était. Bonheur total, on s'envoie les sons l'un à l'autre, ça monte, et c'était magique, donc on a vraiment envie de revivre ça. On digresse un petit peu, mais ce serait bien de savoir un peu où est-ce qu'il en est, parce qu'il a un autre projet qui s'appelle Makulatum, mais comme Collapsar, ça fait une dizaine d'années que plus rien d'officiel n'a été diffusé. Ouais, je pourrais pas parler en Savoie, mais l'an dernier, on s'est eu au téléphone, il est pas mal occupé, il a un gesson dans le théâtre, Il fait pas mal de choses, et il a pas trop de temps,
Mais il a des sons de côté apparemment pour notre projet, donc cool. On s'y attelle. Mm-hmm. Voilà, donc on voulait revenir un petit peu sur tous les projets avant de repasser une partie musicale. Donc le projet Finglass, bon, on sait maintenant, puisque tu es là et que tu vas nous jouer des morceaux qui vont sortir, que le très projet n'a pas été abandonné, mais qu'il y a eu quand même, il y a eu un petit hiatus, je pense, on va dire à l'orée des années 2010. Non, mais en fait, c'est que là, c'est le. Oui, ça en fait. Ton nom, quand je même, veux dire, ouais. En ton nom, oui. Bah, j'adore les collaborations, en fait. Mmh. Donc, album solo, c'est vrai que ça fait un moment. Et là, il était temps. Donc, le confinement a permis de enfin réussir à terminer plein de morceaux qui étaient en cours. Donc, j'ai réussi à terminer cet album parce que je voulais absolument continuer à faire un nouvel opus sur inspiré par la mythologie de Toulouse de Lovecraft. Mm-hmm. Et donc je suis reparti un petit peu dans ce. Oui, d'accord. Et c'est un peu ton. Tu avais commencé plutôt par visiter un petit peu l'Égypte. Tout à fait, ouais. Mais à partir de deuxième album, c'est. C'était Nyarlathotep. Les grands anciens. Nyarlathotep, exactement. Ouais, parce que c'est mes lectures d'adolescent. J'ai toujours été comme. Enfin, je trouve mon inspiration en fait dans la littérature fantastique et dystopienne, donc soit Lovecraft ou Philip K. Dick, mais surtout Lovecraft, je suis très fan. Parce que on parle de Philip K. Dick, le projet Collapsar, c'était ça. Exactement, ouais. Que j'en ai lu un peu, sûrement moins que toi, mais j'ai pas eu des... Déhousserré, c'était en collaboration avec Zelaznik et un roman un peu plus philosophique, un peu plus métaphysique même. D'accord, et j'aimerais peut-être, à moins que tu n'aies pas trop envie, revenir aussi sur Zolkin, qui était une belle aventure quand même. Oui, tout à fait, avec Nicolas, bien sûr. Nicolas, je ne sais pas, il a des problèmes de santé, il est parti aussi dans une autre direction musicale, quelque chose de plus organique, de plus sombre, de plus ambiant. C'est qu'on l'avait vu avec Marc à la guitare. Ils avaient fait un projet avec Deezer, exactement. Je ne sais pas, c'est peut-être le son, mais j'ai l'impression qu'il y avait, une orientation vers du métal extrême, du black même presque. Oui, tout à fait, des influences black metal, Et donc Nicolas est moins motivé pour tout ce qui est son autorité tribale. Alors il est toujours dans le rituel, mais d'une façon différente. Donc le côté rituel qu'on avait avec Zolkin et qui était plutôt le côté tribal plutôt avec les percussions, ça l'intéresse moins. Donc moi j'étais dans Zolkin, j'étais plutôt la partie qui amenait les atmosphères, les ambiances. Mm-hmm. Et Nicolas, les mélodies, parce qu'il est très fort en mélodie, et surtout les parties rythmiques tribales. Il jouait live toutes ses percussions, tout à fait. D'accord, bah on va en passer beaucoup, parce que quatre disques, c'est quand même une partie très importante. Il avait travaillé avec Zisman Amina aussi, il me semble. Oui, bien sûr. Oui, il est toujours avec Ordor Zarius et Clubrio. Exactement, Ordor Zarius et Clubrio. Il travaille toujours avec eux en tant que percussionniste. Voilà. Avec Triari aussi. Il fait des percussions. D'accord. Chez Triari, Alors, ce que je vous propose, sans plus attendre, c'est de repasser par une pause musicale, un petit quart d'heure. Bonjour. Ensuite, on revient et on va préparer le concert, si tu veux bien. Bien sûr. Je pense que tu auras presque le temps de préparer. Je expliquerai un petit peu ce que je vous ai préparé pour ce soir. Tu nous annonces un peu ce que tu passes. Ça va être encore trois titres. Ça va être pas toujours dans les membres, mais donc un morceau de Zolkin. On va écouter Yakskin sur l'album Ab, sorti en 2008 chez Anzen. Ensuite Finglass avec Amenemat sur Yarakon Police. C'est le seul morceau d'ailleurs qui va être une répétition, parce que on aime un peu moins répéter les mêmes titres dans l'émission. Mais j'ai pas eu le choix. Un nom de Dieu à nouveau. Il y avait déjà que tu as sorti sur ton label, on y reviendra tout à l'heure après le live. Et avec donc Finglass et Téléphérique, les surproductifs triplés. Ouais, tout à fait. Avec Tape in Transition sur Information Gigabyte. Je me rends compte que ma playlist est absolument écrite n'importe comment. Informatio Gigabyte. Non, c'est ça, c'était Information Gigabyte. Sur Angle Record en 2007. Ouais, sur ce label canadien, excellent label canadien. Et voilà, on se retrouve dans un petit quart d'heure sur Radio Libertaire, Tormentor Radio Show 89.4 MHz. Vous pouvez nous joindre au 01 43 71 89 40. N'hésitez pas à nous appeler pendant la partie musicale. À tout de suite. À tout de suite. Thank you.
Et nous sommes de retour sur l'antenne de Radio Libertaire, c'est Tormentor Radio Show, en compagnie de Gwen de Flying Glass. Alors oui, bon, j'ai déjà fait le détail des morceaux qu'on a joués. Alors, rien à redire, hein, on revient vraiment en 2002, c'était ouais. Le premier effort en musique électronique. Ouais, tout à fait, ouais. Et donc, ouais. Où tu avais lancé, album, ouais. Et puis tu avais lancé le label Brume Records, ouais, ouais. Qui est plus vraiment actif actuellement ou non, fin j'ai aux activités. Dernière production, ça a daté 2015, où j'avais collaboré à la fois avec Anzen et à la fois avec Silt, le label russe, pour l'album en collaboration avec Collapsar. Ah, d'accord. Avec Thibaut Tonnet, dont on parlait tout à l'heure. C'est une activité qui te manque, l'activité de label, hein, parce que pas, c'est du tout, chose... pas du tout. Non. C'était chronophage, ça me prenait énormément de temps. J'avais plus beaucoup de temps. Déjà, ma activité professionnelle me prend beaucoup de temps. J'avais plus de temps pour le label et à la fois composer. Donc, il a fallu faire un choix à un moment. Ouais. Et puis, c'est vrai que le. Ouais. Voilà, oui, c'est plus vraiment dans l'air du temps de pouvoir fonctionner financièrement avec un... C'est sûr. Après, j'aurais pu continuer avec des productions digitales, mais voilà, j'ai préféré me concentrer sur mon activité professionnelle et puis sur ma propre musique, qui prend déjà beaucoup de temps aussi, si on veut faire les choses bien. Alors, avant d'en partir à Music Lab, puisqu'on était sur les collaborations, puis qu'à chaque tunnel, j'en ai mis une différente. Donc là, on est avec Téléphérique. Ouais. Donc les trois frères allemands là et comment vous êtes arrivé à comment t'en es es-tu arrivé justement à collaborer à faire un disque avec eux parce qu'ils ont ça faisait 30 ans plus de 30 ans qu'ils font des sons. Ouais. Donc vous êtes connus peut-être. On s'est connus au Machine on Fest. Ils m'avaient vu en concert dans un concert en Allemagne, je me souviens plus où. Et ils avaient beaucoup aimé et Joachim était venu me voir directement, me dit écoute, j'adore tes sons, j'aimerais collaborer avec toi. Et on était parti sur le thème de Leaf Immersion Overload qui avait été exploité par SPK à l'époque. Et voilà, l'idée c'était de démontrer qu'on vit dans une société qui va trop vite. Et l'album était un peu chronologique, comme ça on partait sur des sons, des premiers computers, on a vraiment samplé, on allait chercher des samples de vieux ordinateurs, des samples de modem, et on finit l'album, donc ça démarre avec de l'ambiant, et on finit l'album sur du up-tempo, très noise. C'est ce que j'ai sélectionné, c'est-à-dire peut-être... Je reconnais que des fois je suis un peu feignant et un peu facile dans mes écoutes, donc j'ai trouvé le titre où il y avait le plus de rythmique. Ouais, c'était pour la fin de l'album. Pour aller. Tout à fait, ouais. Mais par exemple, on verra après qu'il y avait pour 100 ans de solitude, c'est un peu le contraire. J'ai trouvé un morceau qui était tout à fait bien. Très cinématographique. Parce que là aussi, il y a énormément de choses, parce que c'est un album avec une quarantaine de titres, donc certains très courts. On verra plus tard. Si on peut en parler, parce que j'ai des choses à raconter là-dessus aussi. Ouais. Parce que l'album est pas vraiment sorti encore. Alors on a sorti l'album en CD en fait, qui est la BO en fait, on pourrait dire du film Springbagger 1010, exactement, sur lequel on a travaillé. Mais en projet, on devrait sortir en DVD, un coffret dans une metal box sur le label de Jean-Yves, les nouvelles propagandes. On va sortir donc un coffret DVD avec à la fois le CD et un DVD avec le film et notre musique dessus. D'accord, parce que là voilà. C'est 2017. Parce que c'est vrai que cet album est sorti comme ça et sans les images. C'est vraiment une BO qui se construit, enfin voilà, qui s'écoute et qui fonctionne avec le film. Parce que si on écoute la BO comme ça sans l'image, c'est différent. Ça, il manque la narration serait complètement différente avec le film en appui. Ah, parfait. Alors, on a vu tout ça. Donc, on reviendra sur 100 ans de solitude quand on l'aura diffusé dans le truc. Mais il nous tarde, je pense que nos auditeurs aussi piaffent d'impatience de t'entendre performer. D'accord. Donc on part sur le live maintenant. Alors. Oui, si tu le veux bien, à moins que tu aies encore des choses à régler, mais on peut commencer. Ouais. Donc ce soir, je vais jouer 4 morceaux issus du nouvel album, version live. L'album qui s'appelle Azatoth, qui va sortir chez Anzen. Chez Anzen et Silt. Silt dans une version vinyle collector, on pourra en parler d'accord, après. Donc, et chez Anzen en digital, voilà, donc le deuxième normalement au printemps. De ça devait sortir cette semaine. Mais avec les retards de presseurs, finalement, Nocturnal Disc
qu'en décembre, donc repoussé, voilà, sortie repoussée. Sinon, on a eu l'avant-première ce soir. C'est le deuxième de l'année quand même, hein, parce qu'on a eu Psychopompe. Oui, c'était un EP. C'est un EP. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est un 4 titres. Ouais. D'accord. Oh, j'ai pas fait attention. Ah oui, c'est vrai d'ailleurs. Ouais, bah, éventuellement, il y aura peut-être quelque chose après. Ouais, bon, pas sûr qu'on puisse en parler. Un morceau, ouais. Ok, mais après pour le live. Allons-y alors. Okay, là, vous êtes sur Radio Libertaire, 89.4 MHz.
Thank you.
Nous sommes de retour sur l'antenne de Radio Libertaire. Merci Gwen, merci pour avoir fait l'effort de nous produire ce mini live en exclusivité. Oui, pour, avec plaisir. Pour notre émission, pour Tormentor et pour nos auditeurs. Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'aucun des morceaux n'a jamais été entendu nulle part pour le moment. Exactement. C'est quatre titres du nouvel album, dont on parlait tout à l'heure, là, qui va sortir chez Anzen maintenant début d'année. Premier titre, ça s'appelle The Trouble of Sand, The Nameless List, Cognitive Resonance et Shub-Niggurath qui est un dieu de mythologie toulou. Donc j'expliquais tout à l'heure, ce nouvel album, ce sera un nouveau chapitre Lovecraft. Donc là, je l'ai voulu un peu plus spatial, plus ambiant, plus quelque chose de oui, beaucoup plus mais c'est un peu organique, tu vois, mélodique, quelque chose de plus aérien aussi. Ouais, plus aérien, spatial en fait. Vraiment, je voulais trouver quelque chose un côté un peu spatial, parce que dans la mythologie, Azathoth, c'est le dieu des dieux, il est considéré comme le sultan des démons, quoi. Il vient du fin fond du cosmos, il vient d'une explosion nucléaire, voilà, il est hors du temps et de l'espace, tu vois, c'est quelque chose comme ça, d'un peu ésotérique. Et j'ai vraiment voulu accentuer l'album là-dessus, hein, quelque chose de, voilà, qui fait voyager dans l'espace, quoi, vraiment quelque chose de très spatial. Ouais. Azathoth, c'était pas aussi un titre d'un de tes morceaux auparavant? Exactement, ouais, tout à fait, oui, ça fait longtemps que je suis... que je m'inspire de la mythologie toulou, donc cet album en est complètement inspiré. Et j'aimerais en faire un troisième, j'aimerais bien faire une trilogie. Donc je sais pas de quoi sera fait le prochain, peut-être de trouver un autre dieu qui m'inspire chez Lovecraft. Mais en tout cas celui-ci, voilà, c'est Azathoth, le c'est fou quand même, ce Lovecraft, le dieu des dieux. Il a une influence sur d'innombrables musiciens, surtout dans les musiques, du métal ambiante, dark ambiante, ça a été... Mais il y a une écriture en fait qui, moi, quand je lis une nouvelle de Lovecraft, ça m'inspire tout de suite de la musique en fait. Il y a des morceaux, Lovecraft parle de flûtes enchantées qui viennent du fin fond, voilà. J'imagine tout de suite de l'écho, un son de flûtes noyées dans de la réverbe. Et il y a un morceau comme ça d'ailleurs dans l'album qui finit l'album avec des mélodies inspirées de... Alors moi, la nouvelle qui m'a la plus marquée et terrifiée, c'est la musique d'Eric Zahn. Ça parle d'un gars qui doit jouer une musique en fait pour repousser les démons qui doivent passer par une fenêtre. Génial. Et le narrateur essaie de retrouver un moment à Prague. Là, il retrouve jamais la rue, il devient fou. Et d'ailleurs, il y a un groupe de trash, technique trash allemand qui avait fait un album comme ça. Le groupe s'appelait Mekong Delta. D'accord. Il a fait un truc qui s'appelle The Music of Eric Zahn. D'accord. Mais d'ailleurs, tu nous as pas raconté comment t'es venu à la musique, toi. Comment je suis venu à la musique, un peu par hasard en fait, vers 12, plutôt 13 ans, un copain voisin dans mon petit lotissement de Bretagne, là, du côté
du côté de Rennes, il y a qu'avait des grands frères, il me file une cassette, de musique, une compilation. Et dessus, il y avait du Baos, Joy Division, Sister, enfin voilà, toute cette musique dark de l'époque, et ça m'a fait comme un choc. Et ça m'a. Voilà, je me suis dit, je veux faire de la musique. Puis t'as de la chance, c'était pas trop loin de la Mecque de la musique underground française. Ah bah oui, les trans musicales, Rennes, bien sûr, et j'ai, connu, j'ai connu ces années-là, dans les années 90, je traînais à Rennes, j'allais voir les concerts de Jesus and Mary Chain, etc. Enfin, voilà. Puis il y avait tout un tas de... Ouais, bien sûr. Et puis de groupes qui émergeaient, il y avait une scène, c'était incroyable. Et donc avec mon ami dont on parlait tout à l'heure, Boris Volt de Modine Guiani, avec qui on a monté notre premier groupe, c'était ça, enfin, on était influencé complètement par cette scène-là, par le complot, par Dazzy Bao, Ziglo Vente, tous ces groupes. Première vague. Ouais, première vague, ouais. Donc on est loin de ce film-là, ça a eu une grosse évolution. En fait, je me suis mis à la musique électronique en arrivant à Paris, en fait, jouer en groupe. Ouais. À Paris, je me suis trouvé seul dans mon appartement. Voilà, et voilà, c'était l'époque, enfin, les années 90, où ça. Les premiers ordinateurs. Bah, les ordinateurs et les premiers sampleurs commençaient à devenir abordables. Donc on pouvait commencer à monter son propre home studio. Donc j'ai commencé comme ça, tout seul. À bricoler, ce qui est devenu avec des sampleurs. Moi, je pense que la vraie révolution pour les musiciens dans leur studio, appartement, c'est que surtout le stockage était un gros problème. Quand on faisait de la MAO, et à partir des années 2000, ça n'était plus du tout un problème. Exactement. C'est-à-dire, une fois que tu as commencé à avoir des gigas, 100 gigas d'espace, moi, ça fait presque 20 ans que je travaillais avec MPC à l'époque. J'ai commencé avec les disquettes, après on passait à la disquette zip, donc c'était des disquettes de 250 mégas, c'était énorme. Oui, et en live, je rechargeais ma disquette pour le morceau suivant, imagine le stress. Tu jouais ton morceau, ça donnait ta disquette zip qui chargeait ton sampler. Mais je crois que les gens que je connais, ils sont allés voir par exemple les Chemical Brothers, et eux, mais ça devenait finalement une chorégraphie incroyable, parce qu'ils couraient d'un bout à l'autre de leur installation avec des disquettes. C'est génial, en fait. C'est génial, je pense que c'est quand même mieux de pas avoir à faire ça, mais il y avait quand même un côté un peu comment dire, très analogique et do it yourself, quoi. Et puis, tu savais jamais si ça allait vraiment marcher. Il pouvait avoir des bons crash. Surtout que même s'il y avait pas d'ordi, ça pouvait planter, sûr, c'est sûr. Suffisait d'un truc beaucoup, Encore, c'était plus stable. Les machines étaient quand même plus stables que les. Peut-être des fois, tu sais, une prise, on marche dessus. En tout cas, moi, j'ai travaillé depuis longtemps avec Akai sur les MPC. J'ai jamais eu vraiment de bug. D'accord. Bah écoute, ce que je te propose, on va se remettre, on va repasser une séquence musicale. Ouais. Et ensuite, on reparlera. Bon, on va écouter du film Glass avec Slither Chaos sur Near La Top Tape. Ah ouais, sorti chez Brume Records et Funk Velten à l'époque, en 2006. Je pense que Funk Velten, comment ça se passait, ces sorties communes là? C'était ils distribuent ailleurs? Exactement, c'était. Tu avais des formats différents? Ça permettait d'avoir une distribution mondiale, en fait, Funk Velten, qui était une sous-division de Black Rain. Qui avait sorti du Wombs Cut, qui était un gros label à l'époque en Allemagne, qui permettait d'avoir une belle diffusion. Donc, En deuxième, on en a parlé tout à l'heure, Flint Glass et 100 ans de solitude, avec le titre numéro 7. Là, ce serait bien si on pouvait parler un petit peu du projet de cinéma. On aura tout le temps après. Donc, morceau numéro 7 sur Sprengbagger Zenzen. 10,010. Sur les nouvelles propagandes, la musique sortie en 2017, l'ensemble multimédia arrivera plus tard. Et normalement, j'espère. Et on finit avec un Zolkin, avec Ed Snab sur l'album Zolkin, justement, qui est sorti sur Divine Comedy. Divine Comedy, en 2004, le premier album. En 2004,
Ça parle cinéma. Dans le studio de Radio Libertaire, on est toujours normal, en compagnie de Gwen de Flinglass. Et c'est Tormentor Radio Show, évidemment. Donc voilà, donc on a déjà détaillé la playlist. Hein. Donc Flinglass, Slither Chaos, Flinglass, 100 ans de solitude. On va revenir là-dessus. Et un Zolkin avec un titre du tout premier album qui s'appelle Headsnab. Ben, c'est le premier titre de ouais, Zolkin. Ouais, hein. Je ne sais pas si vous avez rangé les titres dans l'ordre où vous les avez composés ou s'il y a une... Non. Mais c'était une très bonne entrée en matière parce que j'aime bien. T'as un début très rythmé, tribal. Et au bout de la moitié ou les deux tiers de truc, hop, t'as des nappes de synthé qui finissent le titre. Je trouve ça très agréable. Bon, alors revenons avec 100 ans de solitude. Donc, c'était une bande originale d'un film qui n'est pas encore sorti. C'est ça ? Pas du tout. Enfin, non. Qui est sorti ou mais Non, c'est un film muet de 1929. C'est un des derniers films muets de 1929 qui est un film de Duisberg. Mmh. Ouais, tout à fait. C'est, voilà, donc on a joué au Rockland du Soul Festival. On l'avait joué à l'INHL, l'histoire de l'art. On l'a rejoué juste avant le confinement en février en février 2020. C'était dans un cinéma du 16e. Et on espère bien le rejouer à nouveau. Alors, 100 ans de solitude, là, c'est pas non plus un perdreau de l'année. Hein, parce que peut regarder, même si sa disco est pas très, très, très étoffée, hein, parce qu'il y a ce titre-là, puis un album dans les premiers exploits de 100 ans de solitude, c'est date des années 80. Donc, bien sûr, ouais. Donc ça fait déjà une bonne trentaine d'années, un peu comme Téléphérique, ça date de la même époque. Donc des gens qui ont pas mal vécu déjà au niveau musical. Un peu de bouteille, ouais. Oui, bah pour l'anecdote, Jean-Yves a vu Joy Division au bain douche en 79. Ah, la fameuse. Il fait partie de ces chanceux. Ouais. Ah, il la vante pas parce que. Non, je pense pas, non. Il porte un t-shirt où c'est indiqué ou pour le faire valoir ou... J'étais là. J'étais là, ouais, j'étais au bain douche. En tout cas, je pourrais vous en dire plus. J'ai eu Jean-Yves cette semaine au téléphone, justement. On a des plans pour jouer notre cinéma-concert à Toulouse ou à Bordeaux. Donc, on espère que ça va se faire. Ah. Et aussi La Clé à Paris, le cinéma La Clé qui sera intéressé pour nous. À Saint-Germain pour nous faire, exactement. Ah, oui. Ouais. Ah, c'est bien ça. Non, parce non pas, le, ah. pas la salle le de concert. Cinéma, le cinéma La Clé, rue de La Clé. Ah, rue d'accord. La Clé, exactement. Okay. Laurent connaît. Je connais bien, j'étais en cours juste à côté. Marco, oui, c'est un film, donc forcément. Un dernier cinéma squatté. Indépendant. Qui avait passé d'ailleurs le documentaire sur la musique industrielle de Emily Ravalek, c'est ça. Ravalek, ouais, exact. Ouais. Et donc voilà, donc on espère rejouer notre cinéma-concert. Donc Jean-Yves avec ses tiges filetées, ses barres de chemin de fer et voilà, sa musique industrielle et moi l'électronique. Donc il avec son camion. Ouais, c'est ça. Oui, donc, c'est-à-dire on va parler d'instruments et de méthodes de production. Donc il utilise vraiment du matériel, on va dire concret. Ah, complètement. Donc il utilise des microcellules qui place sur des plaques de métal. Voilà, et après il y a une grosse carte son avec une quinzaine ou 16 entrées et tous ces effets de reverb, de c'est delay sur un sur peu notre effet Manite à nous. Ah, c'est complètement ça. Voilà, c'est complètement ça. Non mais sur le travail des microcellules là, c'est un génie, Jean-Yves. Le cinéma de La Clé, ça c'est avec on sait pas, on redémarre, on sort Covid, ça devait se faire avant le Covid, on avait déjà le plan. Donc maintenant, on espère que les choses vont se tasser et qu'on va pouvoir reprendre. Donc en revenant, puisqu'on était sur les méthodes de production, donc est-ce que tu as évolué dans ton matériel ou alors ça s'est toujours tourné autour donc de ces de ces boîtes des sampleurs Akai. Non en fait j'ai jamais vraiment changé ma parce que je me rappelle t'avoir vu je sais plus où si c'était pas au Rexy Club ou un truc comme ça. Oula, oui, voilà, on parle ou alors si c'était pas à l'Excalibur, je sais pas si t'es passé une fois dans les, et t'avais une énorme console grise, c'était peut-être déjà un MPC Ah oui exactement, c'était une MPC. Donc c'était donc j'ai toujours travaillé avec un sampleur en fait. Donc la taille et les capacités ont changé, mais exactement. C'est toujours le même esprit de travail pour le live. Et donc là, maintenant, je suppose que tu as aussi un tas de logiciels. Donc tu m'as dit que tu as Reaper, on peut citer parce que c'est Après, sur les sons, j'utilise beaucoup de synthé virtuelle. Enfin, j'ai pratiquement pas d'analo. J'ai un SY22 de Yamaha qui est un synthé FM qui a des sons très cinématographiques que j'aime utiliser. J'utilise en live justement pour le ciné-concert, que j'aime beaucoup utiliser. Sinon, c'est du virtuel, j'adore chez
Merde, j'ai un trou de mémoire. Bref, oui, enfin. C'est vrai qu'il y a, j'ai vu qu'il y avait énormément, même, on n'est pas obligé d'ailleurs de donner des sous, il y a des synthétiseurs qui peuvent tenir tout seuls, qui sont incroyables. Les synthétiseurs chez Arturia, j'aime beaucoup. Ouais. Voilà, j'ai appris que c'était français comme marque. Bien sûr. Ouais, on peut te faire super marque. C'est vrai qu'on fait le Mini Brut. J'ai eu le Mini Brut, ouais. Il y a beaucoup de basses d'ailleurs dans le nouvel album qui viennent du Mini Brut. Hein. Ouais, puis ils ont les drums bruts, là, c'est des boîtes à rythme. Ouais, tout à fait. Et puis la fameuse monstre, le Matrix Brut. Un synthétiseur avec une matrice de patch. J'ai vu une démo là, qui est massif en termes de. Enfin, la place que ça prend, c'est presque. Même si on l'avait. Si on était vraiment nul en musique comme moi, on pourrait avoir ça pour un peu afficher ça dans son salon. C'est tellement gros et beau que c'est une œuvre d'art. Mais ça coûte un bras, ce genre. J'ai vu. Il y a pire, mais c'est vrai que c'est. Il faut. C'est une œuvre d'art. Voilà. Tu t'achètes un truc. Bon, c'est toujours mieux quand même de s'en servir. Voilà. Oui, c'est sûr. C'est vrai que si c'est juste pour décorer, ça fait un peu cher la déco. Ah, ça fait des jolies lumières. Quand ça clignote parfait, dans le noir. Donc toujours donc avec. Ouais, voilà, le méthode de sample sur live aussi. Voilà, les pads, le côté ludique d'avoir tous les sons à portée de main. Et puisqu'on en est sur le sampling, est-ce que tu as déjà enregistrer des sons par exemple du field recording ou Ah bien sûr. Non, tu te prends avec un micro là. J'ai un petit zoom qui me sert pour prendre des prises. Souvent dans tout ce qui est un petit peu organique dans mes intros de morceaux, c'est du field recording. Ouais. Et je fais ça depuis toujours, depuis le premier album, les sons, l'appel à la prière et tout ça, ça vient de mon voyage en Égypte dans l'album. Ce qu'on peut aussi parler. C'était déjà avec du sample et du field recordings. Parce qu'on parle de sampling. Tu voyages avec ton petit zoom. Exactement. Ouais. Ah mais c'est super intéressant d'avoir de la matière. Des fois, je peux partir d'un centre de bruit de rail de métro et en faire derrière une jolie nappe. Ouais. Avec tous les traitements qui viennent derrière, en plus avec les réverbes et qui permettent d'avoir des sons beaucoup plus amples. Tu fais aussi du naturel. Tu vas aussi dans les bois. J'ai fait ça aussi. Ouais, bien sûr. J'aime bien, petite balade en vélo du dimanche, dans le sac à dos, on sait jamais, et tu t'arrêtes. Et puis le kick, c'est les coups de fusil des chasseurs. non, c'est vraiment, j'utilise ça vraiment pour les intros, j'aime bien, tu connais, les mêmes morceaux de film, ils sont souvent très évolutifs, et souvent la base pour démarrer la composition d'un morceau, c'est l'ambiance en fait, et voilà. C'est l'assaisonnement. C'est l'ambiance de départ, il faut qu'il y ait des trucs qui prennent, qu'on ait une base qui est émotionnelle et derrière il y a tout qui ça vient naturellement. Des métaphores culinaires, c'est un peu mettre le bouillon dans l'eau. Je vois où tu veux en venir. ça va donner un peu plus de goût, mais c'est très important. On s'en rend compte, il n'y est pas. En fait, il te fait un appel du pied, il voudrait que tu prépares le prochain repas de ton mentor. Voilà, t'es au lieu de touiller ton MPC, là, tu vas venir avec des casseroles. Pour les auditeurs, j'avoue, je suis chef de cuisine. C'était pour faire un petit clin d'œil. J'ai compris. C'était drôle. Et si nous passions encore à de la musique, puisque on est là pour ça, et on va donc diffuser une dernier extrait d'un quart d'heure avec le trio magique. On peut écouter les nouveautés ou on peut les faire après. On n'est pas tout. On est prêt. On va parler des deux albums qui. On va mettre les nouveautés. Ce serait une très bonne idée, Hugo, si tu veux. Donc on va écouter. Il y a Nick Telios que tu n'as pas joué. Donc c'est très bien. Pour comme ça, ce sera un cinquième morceau d'Azathoth. Ensuite, donc de ta collab, donc avec sous ton nom d'ailleurs, avec Anatoly Grimberg, dont ce serait bien qu'on en parle aussi. Oui. On va écouter Melancholia. Est-ce que c'est inspiré du film de comment il s'appelle déjà? Lars von Trier. Il faudrait que je pose la question à Anatoly, mais Anatoly qui est lui aussi qui bosse avec Mark Spivey, David Seasoner, il y a plusieurs projets, centaines de mastering. Toute la scène, tout le monde s'arrache ses mastering. Il est super doué. Un ingé son super doué. D'accord, il fait partie de ces un peu comme John ou John Selkirk ou Eric. Van Vantergem, lui il est un peu plus dans la techno, mais ce sont des gens dont le travail est reconnu ou Rémi. Un petit peu aussi. Voilà, donc des ingé-sons qui ne sont pas forcément les plus
flashy les plus connus, mais connus des connaisseurs. Ouais. Donc, et en troisième, encore un film glace sorti en mai dernier, je crois. Oui. Un EP qui s'appelle Psycho Pumps. Ouais. Et on va écouter un morceau qui s'appelle Tonali. Mm-hmm. Alors peut-être qu'il n'est pas orienté grands anciens cette fois. Non. Mais Psycho Pumps, ça reste encore. Je vais vous expliquer l'histoire de Psycho Pumps. En fait, ces quatre morceaux sont en fait quatre morceaux qui étaient destinés à Zolkin au départ. Mm-hmm. Et vu que Nicolas, après maintes discussions, on a compris que le projet était terminé. Et j'ai insisté après Nicolas, j'ai des morceaux prêts. C'est terminé. Donc je les ai terminés moi-même et j'ai sorti sous le nom de Fulgas. Mais tous ces quatre morceaux étaient des morceaux au départ destinés à Zolkin. D'accord. Donc il y a un esprit de Zolkin. Il y a un esprit de Zolkin. C'est pour ça qu'on retrouve ces ambiances, un peu de forêt, le côté, ce côté un peu ésotérique qu'on retrouvait dans le projet de Zolkin. Forêt équatoriale. Forêt équatoriale. Ouais, un peu dans l'imaginaire, il y a des samples de bruits de forêt, d'animaux dans certains morceaux. Ouais. Oh, c'est cool. Mm. Thank you.
Nous sommes de retour sur l'antenne de Radio Libertaire, Tormentor Radio Show avec Flying Glass alias Gwen Trémorin qui est toujours là derrière son micro et on vient d'écouter quelques nouveautés, voire des inédits. Mm-hmm. C'est oui, bien un ça inédit dans le tas. Oui, alors tout à fait, extrait du nouvel album. Voilà, donc de Azathoth, donc là le morceau Nyctelios, Tonali de Psychopomp, ça c'est déjà sorti. C'est sorti en avril, chez Anzen. C'est quand même une nouveauté de l'année, hein, donc on peut la considérer ainsi. Ouais. Et donc la collab avec Anatoly Grimberg, qui est sorti ou enfin qui va non, sortir. Non, qui va sortir normalement fin de printemps. Fin de printemps. Pas de date encore. D'accord, donc 2022. 2022, ouais. D'accord, bah très bien. Ouais. On avait quelqu'un au téléphone, est-ce qu'on va le prendre ou pas? Non. Je crois qu'il n'a pas envie de parler. Il n'a pas trop envie. Il a raccroché déjà. On va pas le forcer, alors c'est pas grave. Excusez, on est, c'est pas une, c'est pas un devoir. Hein, c'est pas non, un... non. Non, mais on le remercie déjà d'avoir, c'est gentil d'avoir appelé et pour corriger petite erreur qu'on aurait dite. Ah oui, à l'antenne. Oui, oui, c'est moi qui ai parlé de Jean-Yves tout à l'heure. Oui, oui, c'est pas ça. Jean-Yves qui finalement n'a pas vu Jenny Vision en 79. Encore une mytho. Donc voilà, encore une mytho, ouais. Donc c'était pas lui. C'était pas lui. Puisque nous en sommes en collaboration, il y a encore une dernière que nous n'avons pas abordée qui va être diffusée. C'est avec Transistor et Polar Licht, Fear Punkt 1.
ou 4.1. Bah, c'est allemand, alors bon. Donc, qui c'est? C'est Ronny Jasinski, Polar Licht. Et donc, Transistor, c'est la même personne, accompagnée de Kathleen Binder. Binder, je ne sais pas si elle est anglaise. Ou, elle est allemande. Elle est allemande, Binder, alors. Oui, ça fait quelques années déjà, cette collaboration. Alors zut, je me suis trompé sur la date d'ailleurs, j'ai mis 2001, c'est plutôt 2011. C'est 2011, tout à fait, tout à fait. Puis 2011, mais j'ai vu aussi qu'ils n'avaient pas sorti grand-chose, à part, je crois qu'ils ont fait un ils autre EP. Ils ont refait quelque chose récemment, un EP récemment. Ils sont très très, c'est très très... Bah, Ronny organise Azikaw, sa ville, un festival tous les ans. Donc, ah d'accord, il est très occupé. Vachement, Non, j'ai rejoué chez lui, il m'a invité il y a 3 ans à jouer là-bas. Avec des projets allemands méconnus, mais c'était un très, très, très chouette festival. J'avais joué avec Philippe Munch de Synapscape, avec son projet solo là, qui était en live, c'est excellent. Avec Babsi, sa femme, c'est vraiment... c'est vraiment excellent, moi j'adore ce qu'ils font, ce side project sous son nom, il en a différents, The Research Garden, un côté un peu EBM, avec du chant, enfin, moi j'adore ce qu'ils font. Voilà, donc l'album, ça c'était un album, ça s'appelait Zoran's Equation, sorti chez Funkvelten en 2011, on écoutera The Ice People. Est-ce que tu pourrais... Un très bon choix de morceau, très bon choix de morceau. Je sais, c'est moi qui l'ai fait. C'est un morceau que j'ai joué, que j'ai prévu de jouer dans mon set de la semaine prochaine au Clan Industrial Festival. Mais justement, tu peux nous parler un petit peu de tes dates à venir? Ah bah oui, donc semaine prochaine, je rejoue. Ben, c'est les 20 ans du festival, le Wokland Soul Festival. Donc je joue là-bas la semaine prochaine. Pologne. En Pologne, tout à fait. Il y a qui cette année sur l'affiche? Alors tête d'affiche, très variée, hein, toujours Wokland Soul Festival. Il y a Suicide Commando qui revient avec ses super pas du tout ma cam hein, mais voilà, qui revient avec ses coups de sifflet comme Anatarash et il détruit la scène avec un Fenwick, ce serait pas mal. Non, il y a les Australiens de Collapse, voilà, il y a le patron de Hands qui sera là aussi avec son projet il y a Stéphane Alt de Hansen aussi qui joue avec ton exactement, merci Laurent de préciser. Udo Wiesmann. Winterkelt, les fameux Winterkelt. Toujours avec sa batterie électronique. Exactement. C'est un peu la marque de fabrique. Moi je me rappelle la première fois que je les ai vus, c'était dans un bunker au Moubou. Ah oui. le premier ou le deuxième Machine Gun Fest, c'était encore à Aix-la-Chapelle. D'accord. Ouais, c'était assez début, ça. C'était vraiment, vraiment industriel. Il faut un très bon son pour que Winterkelt puisse porter. Ouais. Sinon, j'ai un autre mauvais souvenir. Ouais, c'est sûr. Il faut que ce soit très bien sonorisé. Je pense qu'ils se déplacent maintenant avec leur ingé son. Après, ils sont dépendants. Ils commandent pas les limiteurs, par exemple, dans les salles et tout ça. Ouais, bien sûr. Par exemple, s'ils vont, je sais pas, la Gaieté Lyrique, ils vont faire ce qu'ils veulent. C'est très difficile de jouer des parties rythmiques, électroniques et de rejouer de la batterie par-dessus. Effectivement, c'est des sons qui se superposent et c'est pas évident. Mais quand c'est bien fait, tape et là c'est C'est un côté pour des écolos finalement, c'est un côté punk écolo électronique industriel. Je me rappelle, c'était incroyable là, le concert qu'ils avaient fait, on les avait rappelés sur scène et allez me jouer le Nino tout ça. C'était fabuleux. Ils avaient joué avec Guitar d'ailleurs. Winterkelter. On fait ça avec Stéphane, exact. Notre ami Stéphane Zanetti de Mister Chaos. Ils étaient passés à la Loco aussi. Oui. Ouais, tout à fait. Festival Landzen. C'est ça. Bah, j'avais joué également. Il y avait Akamazots. Il y avait HE, je crois. Akamazots tout seul avec son DX7. Ouais. Il n'y avait pas Morgenstern aussi, il me semble. C'était peut-être là. Il y a eu 2 années de suite il y avait un festival industriel comme ça. Une salle impossible à faire. À la grande époque. L'époque de Guillaume Michel. Où la musique industrielle remplissait des salles de 800-900 personnes. Là, il n'y en avait pas autant, mais c'était. C'était bien passé maintenant. Il n'y avait pas 900. Mais t'arrivais, tu faisais passer des bons groupes ou des trucs plus goth, gothic rock. La Loco était remplie. Ça dépendait des affiches. Si tu faisais Imminent Starvation à l'époque, ça remplissait bien. S'ils faisaient partie des rares groupes à réussir à amener le public de la scène tech avec le public de la scène industrielle. En parlant de public,
public, c'est quel public que tu retrouves en Pologne, en Allemagne? Ce festival, en tout cas, le Rock Club Soul Festival, ce qui est génial, c'est que c'est un peu comme le Machine Gun Fest. T'as des gens qui se déplacent de toute l'Europe pour ce festival. Mmh. Donc il y a beaucoup d'Italiens, étonnamment. Bon, évidemment, des Allemands parce qu'ils sont juste à côté. Mmh. Quelques Français, là, je pense qu'on doit être une bonne quinzaine de Français. Mmh. Aller là-bas, et voilà, t'as des Autrichiens, tous les pays autour de la Pologne sont là. Et c'est des vrais fans de musique industrielle. Mmh. Alors c'est un festival qui a quand même réussi à faire jouer Neubotten, ils ont eu, il y a deux ans... Smord. Ouais, bien sûr, ouais. Bah, ça fait quelques temps, là, ça... Ouais, j'ai joué l'année avec Splashic TV... Bah, le Smord, ouais. Ça fait quelques années, là, qu'il a... Ouais, on n'entend plus parler, là, de Smord. Il a sorti un disque en juin. Superbe. Avec Karim, ouais. Avec la chanteuse suédoise Karim Park. Ah mais oui, mais bien sûr, mais oui, je l'ai écouté. Une chanteuse fabuleuse. Ouais. Et la collab, enfin la. Ouais, mais je vais en solo, tout seul. Ouais. Pas de, ouais. Et puis il a fait il a sorti aussi une BO de film, un film qui est pas sorti vraiment en France, mais qui a sa BO a eu quand même droit à une nomination aux Oscars. Ouais, il l'a pas eu, mais être sélectionné parmi les finalistes des Oscars, bon, c'est quand même pas mal. Tu peux regarder les gens de haut. Le cinéma est en train de commencer à reconnaître tout ce qui est un petit peu ambiant, dark ambiant pour les musiques. Non, mais Brian, sous son nom de civil, Brian Williams, Westworld, il est connu de tout le monde. Hollywood. C'est-à-dire que c'est pas les musiques de films, mais par exemple les sons, l'ingénierie sonore derrière, parce qu'il y a énormément de choses à faire. Bien sûr. Il n'y a pas que la musique du film, il y a beaucoup de prises de son et d'ambiance à organiser. Le sound design. C'est lui. C'est lui qui fait Mais c'est de toute façon, c'était l'ingénieur du son de SPK, donc un ami de Graham Reville qui lui-même maintenant ne fait plus que ça. Hein. Mm-hmm. Ce qui est assez curieux, on en a parlé plusieurs fois ici, parce que c'est très très loin de l'esprit SPK très très revendicatif des débuts. Ouais. Puisque maintenant c'est vraiment du cinéma très grand public, ce qu'il fait, mais. Contrairement à ce que fait Lost Mark, un petit peu plus indépendant. On va essayer de retourner. Oui, dans les concerts. Il y aura certainement une date à Bratislava aussi, début d'année prochaine. Festival Abrasamotique, qui sont des organisateurs hongrois, qui font des choses en République tchèque et aussi à Bratislava, en Slovaquie. Pas d'audio trauma cette année, ils n'ont pas terminé leurs activités ou Je crois que c'est terminé. Hein. Je crois que c'est terminé. Ouais, parce qu'ils avaient fait une sorte de festival, donc un label français qui fait un festival en République tchèque. Ils faisaient ça à Prague. Ouais, à Prague, c'est vraiment symbolique de la tristesse de notre paysage musical parfois en France. Ouais. Où on n'a pas réussi à renouveler notre scène électro-industrielle. On n'a plus de festival. Alors que c'est marrant parce qu'on voit que la techno marche à fond, même la techno EBM, la techno Indus. Il y a un renouveau. T'avais la Peniche Concrete, t'avais des procs de malade. Hein. Label 47 de Tommy 47 qui est arrivé ce que Hansen aurait pu devenir s'ils avaient vraiment produit des artistes techno qui venaient du son Birmingham et tout ça. Qui venait de l'Angleterre, maintenant ça s'est déporté à Berlin, mais t'as les VSK, Scalameria, Kilowatt et tout ça, t'as Headless Horseman, des gens qui ont vraiment un énorme talent et c'est bien dommage qu'ils soient passés un peu au travers de mais vous, c'est, ça. C'est ça où est un peu le paradoxe, mais tu l'as relevé tout de suite, c'est le son de Birmingham et le son anglais, surtout dans cette techno-là, un peu rêche. De Régis, le projet Régis. Et finalement, ce sont des Anglais qui se sont expatriés à Berlin pour cette musique-là. Et ça a marché, ça a fonctionné là-bas. Quoi. Et le son industriel avec, comment il s'appelle ça, Kerridge, par exemple. Ouais. Samuel Kerridge, même si aussi, dernièrement il a un peu changé. Mais il y a tout ça qui n'aurait pas du tout départ à Machine Gun Fest. Hein, absolument pas. Non, moi, la scène techno, c'est pas une scène qui m'inspire beaucoup. Je me suis même donné dès le départ avec Swingas d'éviter de rentrer dans la facilité du rythme 4-4, tu vois, de rentrer.
Et c'est ce qui, du fait de me forcer à ça, qui me fait m'amener à, voilà, à faire des rythmiques un peu différentes, tout ça. Mais il y a beaucoup de projets techno. Ouais, j'aime, puis, j'aime bien Shane Method, j'aime bien Hawk, Believe Defect, je sais pas si alors, ce qui vient de jouer. Believe Defect, oui, j'ai un album très très bon. C'est super bon. Excellent. Techno-Indus aussi. D'autres, alors c'est plutôt de l'ambiance. Ancestral Voices, par exemple. Je connais Grandiose. C'est superbe. Ça m'inspire. Un petit rappel quand même sur le futur album, enfin l'album qui va sortir bientôt chez Anzen. Chez Anzen et en version vinyle collector. Alors, c'est encore un super objet que fait mes amis de Silt à Moscou là. Alors, j'ai pas vu encore, j'ai vu juste des photos du concept. Ça va être un mélange de bois, de plexiglas, avec un design fait par Polka, notre amie française Alice. Polka. Exactement, qui a fait le design de Azatos. Donc j'ai donné totale liberté. Elle m'a créé au dessin une créature fantastique au fin fond de l'univers. Enfin, vous allez découvrir quand vous découvrez la pochette, vous allez être bluffé. C'est hallucinant ce qu'elle a fait. Et voilà, donc version collector. Une série limitée. Et c'est quoi la date de sortie à peu près? Eh ben j'attends, je l'attends toujours puisque j'attends le vinyle qui doit sortir d'usine fin décembre. Donc voilà, le temps de préparer tout ça, ça devrait être en janvier. Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de retard? C'est décembre avec les délais. Il y a 3 mois de retard, c'est ce que vous expliquez tout à l'heure. Il devait être prêt cette semaine normalement. Je devais avoir les vinyles tout chaud pour le Rock Lonely Soul Festival. Je te rassure, t'es pas le seul. Il y a une majeure qui est passée devant avec un pressage collector de Bézu et la classe. C'est ça, de 10 000 exemplaires. Non, non, c'est pas ça du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est la pénurie des matières premières. Oui aussi, ouais. Alors ça, c'est une blague. Hein, ça, c'est une blague. Non, non, non. Ouais. Nous, c'est ce qu'on a eu comme retour, puisque c'est le problème qu'on a eu avec. Silt en Russie me disent qu'en réalité, les presseurs, le prix du vinyle a augmenté que d'un euro. Enfin, la matière première a augmenté que d'un euro. Et c'est pas forcément le prix. Ils profitent justement de cette petite pénurie d'arrivage pour augmenter les prix et ça explose. Regarde le prix d'un vinyle aujourd'hui. On voit un vinyle à 30 euros. Le problème, c'est que personne ne veut investir dans une nouvelle presse. Parce que de ce que j'ai compris, hein, c'est ce que certains spécialistes m'expliquaient, il faut à peu près une quinzaine d'années pour rentabiliser ça, et donc ils ne savent pas... Si le marché va suivre, va continuer. Si ça sera encore à la mode dans 15 ans, donc personne ne veut investir, et on a à l'heure actuelle 3 fois plus de demandes de pressage que ce que peut... Ouais, produire le exactement, marché. Exactement. Ouais, Stéphane Dangène disait maintenant, il y a un an d'attente, voire carrément certains presseurs disent, écoutez, pour l'instant, s'ils disent, non, on prend pas, vous mettez sur une liste d'attente et on vous donnera une date de possible fabrication quand on. C'est dingue. On est dans un truc hallucinant. C'est triste hein, pour les supports physiques parce que comme on a grandi. Moi j'y tiens. On a grandi avec la cassette, le CD, tout exactement, ça. Et là, grâce aux majors qui pensent arnaquer une troisième fois les bobos. C'est ça. Et les boomers, hein, pas nous, mais. Ceux d'avant, on leur a vendu le CD en disant « Ah, les vinyles, c'est nul !» Puis on leur revend le vinyle en disant « Le CD, c'est mort !» Dit les gars, ou alors ils profitent de la sénescence de ces gens, j'en sais rien. Non, mais voilà, c'est le capitalisme. C'est ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils veulent augmenter le tarif du CD, comme tu le disais. Du CD. Ah, du CD aussi. Parce que, en fait, le CD, leur marge avait tellement chuté, puisque aujourd'hui, les pressages de CD, c'est quoi pour les labels? C'est 100, 300, 500 au mieux. Ouais, dans notre très grosses. 500 Ouais, c'est le maximum. Je suis pas sûr que Maria Carré presse 500 CD, hein. Ça sera peut-être 500 000. Non, mais on parle dans le million de gloire. Ah oui, chez nous. Dans l'indépendant. Ah mais jamais. Dans l'indé. Ouais. Non, mais même les Pink Floyd, les derniers vinyles Pink Floyd, c'est 3000 copies. Hein. C'est pour à l'époque. Non. Là, les rééditions Pink Floyd, c'est 3000 copies vinyles seulement. Je suis étonné, sur le monde. Le problème, en plus, des vinyles day, là, puisqu'il y a cette mode maintenant en France, à certaines. Disqueur day, merci. Où on nous ressort du réchauffé, puisque c'est ça, il y a essentiellement des rééditions de vieux trucs. Et donc, ils bouffent tout l'espace, qui fait que tous les artistes qui voudraient sortir leur disque en vinyle, non. Comme ça a déjà sorti, ils savent à peu près quels sont les marchés, combien ils pourraient toucher, alors que quelque chose qui est nouveau, c'est à l'aveuglette, c'est un pari, c'est un peu un ticket de loto, quoi. Donc, ils veulent plus prendre de risques. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un écramage là ces 3-4 dernières années, le nombre de labels qui sont partis, c'est effrayant. Ah oui, les labels, là, ça devient très difficile. Je finis un peu mon truc. Heureusement, finalement, il y a le numérique. C'est pas aussi chouette d'avoir un emballage parce que dans la musique industrielle, on a toujours
su que l'emballage, la présentation, ça faisait partie du truc. Ça a toujours existé, ça fait partie du truc. Et moi, je veux, c'est une question d'attitude, c'est l'attitude qui... Moi, je veux continuer à faire ça, même si c'est un faible tirage, je veux garder un objet, ou même, si quelque chose... On a vu des trucs complètement, complètement absurdes, voire dangereux. Je me demande s'il n'y a pas déjà eu des albums sortis entourés de fils de fer barbelés. Bien sûr, ça existe. Du verre, des plaques de métal partout, des trucs qui pèsent une tonne. Bien sûr. Il n'y a que dans ce milieu underground que ça se faisait. Sinon, finalement, le mainstream, ils n'avaient pas envie trop d'effrayer leur clientèle. Non, c'est sûr. Mais d'ailleurs, toi, ton dernier maxi, c'est deux plaques de plexiglas, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est le vinyle serré dans deux plaques de plexi qui ont été découpées au laser. J'en ai apporté en radio, évidemment on peut pas le montrer, mais j'en ai apporté une copie pour vous montrer. C'est Psycho Pumps, hein. Exactement, c'est Psycho Pumps. Voilà, il reste quelques copies disponibles sur mon Bandcamp pour les auditeurs qui pourraient être intéressés. L'adresse, mais vraiment pas beaucoup. L'adresse du Bandcamp, c'est Bandcamp Flinglass, simplement. Et donc on rappelle donc ton album vinyle paraîtra en vinyle sur Silt, sur le label russe. Ce sera distribué sur ton Bandcamp aussi. Exactement. Les malchanceux pourront se le procurer en numérique. Voilà. Exactement. C'est un choix. Ou ceux qui n'ont pas assez les moyens. Ce sera un objet collector. Voilà, oui. Est-ce que tu fais le 24 bits, toi, pour le digital ? Ouais, tout à fait. Ouais. Génial. Je le fais aussi pour les audiophiles. Ouais. Mm-hmm. Ouais. Et puis je travaille avec un atelier Greenberg pour les masters. Donc on peut même le proposer en 32 bits si, pour des puristes. Il y en a de plus en plus, surtout. Et pourquoi pas ? Alors après, est-ce que l'oreille humaine est vraiment capable de discerner tous ces petits détails ? Ouais. Mais il sera en FLAC et en haute qualité, disponible. Ouais. D'accord, je pense qu'on a fait le tour. Super. Hein, donc il nous reste quand même, je vais détailler quand même la dernière séquence qui va passer pendant que nous remballons. Alors donc il y aura Altakui de Flinglass, donc sur le EP From Beyond, alors pour lequel j'avais aucune information puisque étrangement le Discogs a été muet. Ouais. Donc c'est sorti, je voudrais savoir de quand est-ce qu'il est sorti, quel label. Il est sorti chez Funkvelton, réédition après le deuxième sold out de Nyarlathotep. Donc on avait réédité cette édition collector aussi avec Lovecraft, où j'avais travaillé avec Romain Fournier qui avait fait le design, c'est un nouveau design, un joli digipack avec plusieurs formules, avec une belle pièce d'art aussi, avec des cartes postales à l'intérieur. Donc ce EP était intégré en supplément. Et la date de composition, ça coïncide avec celle de Nyarlathotep ou un petit peu après C'est une même période temporelle, c'est-à-dire 2006-2007. T'avais retiré les remixes alors, c'est ça, non ? Comment tu avais fait ? J'avais retiré les remixes, c'était exactement de l'album, et il y avait ce CD en plus, EP en plus. Voilà. Mais que tu sais bien que tu veux fasses remarquer rajouter tout à l'heure, je pense que je vais rajouter en EP séparé sur Bandcamp pour des gens qui pourraient être intéressés. J'ai pas vu peut-être sur Nyarlathotep, si on regarde les éditions, il y aura peut-être l'édition augmentée. Ouais, j'en sais rien. Ouais. En deuxième, donc on en a parlé, Flinglass Polarlicht 4.1 Transistor avec The Ice People sur Zoran's Equation. Alors voilà, ce que je voulais, c'était quel était le thème de cet album. La nuit des temps de Barjavel. Donc on en revient toujours inspiration dans la littérature. Le SF. J'étais fan de ce bouquin. Ronnie a trouvé la version allemande, donc l'a lu. Écoute, je suis là, super inspiré. On va essayer d'échanger les sons et voilà. Et en dernier, en dernier, et pas des moindres, puisque je n'ai pas réussi, je pense, à prononcer le titre, c'est du Zolkin avec Sensomimikshua. C'est pas mal. Tu pars presque le Nahuatl. Sur The Six. Un véritable Maya. Sur The Six Sun, sorti en 2013, dernier album. Le dernier album de Zolkin. Après 2011, donc. Après 2012, pardon. C'était 2013 la sortie de celui-là. Il devait sortir justement. La fin du monde. Vrai. Ouais. C'était référence, le Six Sun, c'était référence au calendrier. Le Six Sun, c'est le renouveau, c'est le sixième soleil. Et le renouveau, en fait, cette fameuse fin du monde, c'est
C'est une boucle. Voilà, exactement. Ça, les, voilà, nouvelle ère des commencer. Alors, oui, on va enchaîner. On a aussi un React qui va suivre. Ça intéressera peut-être les fans de bass music, de dub et de dubstep et de beaucoup de noise et beaucoup d'expérimental aussi. Je vais citer quelques artistes. On retrouve évidemment du Micaris, alias Korn, du Zonal, du Paragon, du Godflesh, remixé par lui-même, remixé par JK Flesh, du Godtrad, du Stereotype, c'est un Autrichien, il est très bon, du Donzilla, du Stigma. Je conseille fortement ce projet-là, de side project de Pessimist, avec un super album qui s'appelle Too Long, Stigma, et puis bien d'autres. Vous découvrirez ça après l'émission avec, qui va se terminer là, avec le dernier passage musical consacré à Flinglass et Gwen. Voilà, et ben, merci. Alors, on annonce quand même celle de l'émission dans 15 jours. Dans 15 jours, on aura, puisque on a travaillé pas mal aujourd'hui dessus, on aura l'interview de Robert Ellefson de Elegant Machinery. Et le 15 jours suivant, on aura Arthos Wild Shores et le projet génial de Herman Speed de Marc. Qu'on aura le plaisir d'avoir. Je crois qu'en plus ils seront là tous les deux. Il y aura Fred et Marc qu'on aura au téléphone, puisqu'ils sont tous les deux de nouveau Limougeaux. Donc au téléphone. Ouais. Et on terminera l'année le 11 décembre avec l'interview de Martin Dupont. Ça va être aussi une émission attendue. Merci encore, Gwen. Merci beaucoup. Écoutez, avec plaisir, c'était un plaisir. Merci à vous pour votre invitation. Et puis à la prochaine. Alors, à la prochaine. Bien sûr. Jamais 405. non, bien sûr que non. À très bientôt. Et bon concert, encore. Bon festival en Pologne. Merci à vous. Clos. Ouais, merci. Bye et bye. À bientôt. Merci, salut.